Traversons le fleuve Elbe et entrons dans le cœur historique de la ville de Dresde. La ville de Dresden fut la capitale des rois saxons. Elle date de plus de 800 ans. Le centre historique de Dresden fut entièrement détruit sur ordre de Winston Churchill les 13 et 14 février 1945. Les bombardements firent plus de 35 000 victimes civiles officialisées. Le centre historique de la ville est aujourd'hui restauré et dominé par le Hofkirche, l'église catholique. Du Frauenkirche, le temple protestant, est familièrement nommé la cloche de Kiev. Nous circulons présentement face au Fürstendünk, l'épée temple. L'épopée des rois saxons, pour aboutir finalement sur la grande place du centre historique, le Theaterplatz. À l'intérieur de l'église baroque, on peut admirer une peinture d'Anton Raphaël Moog au-dessus du maître-autel ainsi qu'une chaire rococo de Balthazar Permore. Des photos d'époque permettent d'évaluer l'ampleur des dévastations aux édifices qui composaient le centre historique. Damen, habt ihr die gesehen? Was?
centre du Theaterplatz trône la statue équestre du roi Jean, qui fut entre autres le premier traducteur de la Divine Comédie de Dante. Notre périple s'achève dans le centre historique de Dresden. Nous quittons le Theaterplatz et entrons dans les jardins du palais Springer, agrémentés de fontaines d'eau, pour ressortir par le Kronetor, dite la Porte Dorée.